400 une noix de coco, 402 noix de coco, 403, 404, 405, 406, 407, 408 noix de coco. Vous n'allez pas le croire, mais il y a 408 noix de coco dans cet arbre. Et voilà un renseignement parfaitement inutile. Rectification. Non, est-ce que 407? Cet autre cocotier, là, en a 505. Renseignement tout aussi inutile que celui que je venais de vous donner. Je suis le plus gros fournisseur de renseignements inutiles. Mais compter les noix de coco est mon unique occupation. Et dire que ma maman voulait que je devienne médecin. Passer ma vie à répondre au téléphone. Venez vite, mon petit à la rougeole. Une vraie vie de chien. Ah, une noix de coco, deux noix de coco, trois noix de coco. J'aurais pu devenir éléphant de cirque, j'aurais vécu au milieu des applaudissements que ma personne mérite. Je me vois comme si j'y étais. Et voici maintenant Sydney, le seul éléphant équilibriste sur fil de fer. Et sous les applaudissements de la foule, je me livre à des exercices stupéfiants et uniques au monde. Les projecteurs sont braqués sur moi. J'attaque le coup de mon numéro sur un tonneau. Puis deux tonneaux. Je sens que la terre va tourner autour de moi. Et pour la première fois dans l'histoire du cirque, sur trois tonneaux, roulant et tournant dans tous les sens au mépris des lois de l'équilibre. Exploit unique, incroyable. Et voilà mieux encore, quatre tonneaux. C'est l'enthousiasme. Oh, quelle merveilleuse chose que le cirque, mais c'est dangereux. D'un autre côté, ça paye bien. La gloire, ça ne se mange pas en salade, comme dit l'autre. 8 noix de coco, 9 noix de coco, 10 noix de coco. L'inconvénient dans la jungle, c'est qu'on s'y ennuie. Ah, si seulement la jungle était comme on vous la montre au cinéma. Le cinéma, quelle merveilleuse idée. Dire que je n'y avais pas pensé, c'est chose faite. À moi, les affiches lumineuses. Je suis la plus grosse vedette d'Hollywood. Et mon pied est maintenant gravé dans le célèbre ciment. Je suis la coqueluche des fans. Et la terreur des maquilleurs. Il en faut trois pour moi tout seul. Me voilà prêt pour la grande scène. Tout le monde sur le plateau, faites entrer l'éléphant. Le fidèle Kala Sidney guide l'éléphant boy vers la cité de l'or, où je désespère la princesse. Et pas n'importe quelle princesse, une princesse de super production au budget de millions de dollars. Les caméras sont braquées sur moi. Ils me prennent sous tous les angles dans toute ma gloire. Mon cornac me fait tourner à gauche, puis à droite. Eh ben, décide-toi, il n'a pas l'air de savoir où tu veux aller, hein. Les projecteurs m'éblouissent. Je ne sais plus où je vais, c'est un imbécile qui m'énerve. Il commence à m'ennuyer, celui-là, avec ses façons, hein. Et les indigènes attaquent. Une bande de figurants besogneux recrutés à la hâte, qui sont jaloux de ma gloire, et qui sentent de vrais javelots pointus, coupés. Réflexion faite, je ferai pas de cinéma, c'est mieux compter les noix. 17 noix de coco, 18 noix de coco, 19... Moi, je tiens à la vie. 19 noix de coco, 20 noix de... à la vie, je veux vivre. J'ai trouvé l'endroit où je voudrais vivre. C'est le palais d'un maharaja. Regardez, au peuple de la jungle, que voient vos yeux émerveillés. Sydney, la fierté de la dynastie des maharajas de Lahore, de velours vêtus et coiffés de plumes, qui battent à la chasse aux tigres. Mais le soleil garde ses rayons implacables. Et les monstres voraces attaquent par derrière comme des lâches. Le tigre, lui, c'est par devant. La Raja fait feu une fois, deux fois, trois fois. Je sais compter au passé. Six, sept, huit. Mais le tigre semble invulnérable. J'en ai la chair de poule. Le salut est dans la fuite ou dans un trou de souris. C'est pas un travail pour moi. Oh, regardez, une visite. On demande éléphant pour travail intéressant, horaire souple, intelligence exigée. C'est pas pour aller à la chasse au tigre, ni pour faire du cinéma bidon.
ni de l'équilibre sur un fil dans un cirque. Non, non, mon petit, c'est un travail intellectuel. Il faut se servir de sa mémoire. Oh, chic, c'est pour moi. Vous connaissez sûrement le proverbe, un éléphant n'oublie jamais. J'ai de la mémoire. Ça se passe là dans ma tête. Venez que je vous embrasse, je ferai sûrement la paix. C'est un travail de recherche qui a rapport aux mathématiques. De la recherche, chic. Un travail digne de moi, chic. Je le prends, je le prends, je le prends. Et ça consiste en quoi? Comptez les noix de coco. Et voilà ma triste histoire. 1, 2, 3, vous comptez les noix. 4, 5, 6, parce qu'il faut bien vivre. 7, 8, 9, je m'ennuie comme un bœuf, c'est bête à pleurer.